Chers frères et sœurs, bonjour, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 13 janvier 2023. Jean-Christophe avec vous, je n'ai pas encore eu l'occasion, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et sainte année 2023. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Hilaire de Poitiers. Donc Saint-Hilaire de Poitiers, pour la petite histoire, il fut évêque de Poitiers et il est aujourd'hui docteur de l'Église. Il est né d'une famille païenne d'Aquitaine, noble et riche, et ce jeune homme était doué pour les études, mais la question du sens de la vie le tourmentait. Où se trouve le bonheur pour l'homme? À quoi sert d'exister si l'on doit mourir? Y a-t-il un Dieu? Eh bien, il est déçu dans ses lectures et il découvre un jour ce passage de la Bible « Je suis celui qui est » et il s'enthousiasme. Mais finalement, la mort reste une idée insupportable. Il trouva plein de choses pour nourrir sa faim spirituelle dans l'évangile de Saint Jean. L'évangile de l'incarnation et de la résurrection. Et à 30 ans, il demande le baptême. Donc voilà pour la petite histoire sur Saint-Hilaire de Poitiers. Aujourd'hui, la lecture de ce jour de la lettre aux Hébreux nous entraîne à réfléchir sur le repos. Commençons notre temps de prière avec un chant à l'Esprit Saint. Et avant, si c'est aujourd'hui votre anniversaire, un très bon anniversaire. Et si vous vous prénommez Hilaire, très belle fête à vous.
embraser mon cœur. Embrase-moi, viens, Esprit du Seigneur, viens embraser mon cœur. Visite-moi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères,
craignons tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est Dieu. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du septième jour. Et Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe, en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire la parole du Seigneur. Avec ce texte, j'aimerais voir avec vous deux points. Un point sur la question de la foi. Sans la foi, impossible d'entrer dans le repos. Et un point sur le repos en lui-même, et surtout le repos avec Dieu. Frères et sœurs, dans ce chapitre, il n'est pas étonnant que cela commence par ces mots « craignons donc ». Après les avertissements si sévères qui viennent d'être présentés en amont. Avons-nous reçu aujourd'hui le message que Dieu nous a donné par l'histoire d'Israël, vivant tableau du voyage actuel du croyant de la croix à la gloire, mais qui nous indique aussi où mène l'incrédulité et la séduction du péché. Cette promesse d'entrer dans le repos de Dieu reste en vigueur aujourd'hui, car il est à venir, que personne ne s'en prive. Et si à partir du verset 3 est donné une explication plus détaillée de cette promesse, le verset 2, lui, il introduit une condition indispensable pour atteindre le repos. Et donc pour atteindre le repos avec Dieu, c'est la foi. Le repos de la conscience est obtenu par le sang du Christ à la croix. Ce sang délivre de la malédiction, de la loi et du péché, du poids du péché, et procure la paix, et surtout la paix avec Dieu. Le repos du cœur est donné à ceux qui marchent dans la soumission à la volonté de Dieu, comme l'indique Jésus lui-même, « Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi. » Et vous trouverez le repos de vos âmes, dans Matthieu au chapitre 11 du verset 29. Et cette paix de Dieu n'est pas davantage en vue dans ce passage. Le repos de Dieu est le repos du futur promis dans le pays de Canaan. Il symbolise le repos éternel dans la gloire à venir. La bonne nouvelle présentée à Israël autrefois était l'assurance d'entrer en Canaan. Moïse, représentant de la loi, n'avait pas pu faire son entrée avec son peuple en Canaan. Josué, au contraire, représentant de la grâce, l'y avait introduit. Le divin Josué nous promet aujourd'hui une bénédiction céleste. Pour ceux d'autrefois, comme pour nous aujourd'hui, il ne peut y avoir de repos sans la foi. Quelle différence entre les Thessaloniciens, dont la foi en la parole enseignée est honorée, et ces Hébreux, dont il est dit que la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec la foi. Seul celui qui croit en Dieu entre dans le repos de Dieu. De manière générale, nous pouvons dire avec ces versets que Dieu s'est reposé lorsqu'il vit la perfection de la création. Et ça, on le voit au verset 3 et aussi au verset 10. Il promet aux siens ce repos du commencement. Deuxièmement, le pays
promis, offrez un type de repos. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Mais malgré les bons conducteurs choisis pour l'amener dans le repos, ils furent nombreux à tomber dans le désert à cause de leur incrédulité. Comme le prouvent ces paroles, s'ils entrent dans mon repos, verset 5, ce qu'il veut dire, s'ils n'y entreront pas, ce n'est pas sûr. D'autre part, ceux qui ont atteint Canaan avec Josué n'ont pas pu connaître le vrai repos, car de nombreux ennemis ont subsisté dans le pays. Troisième point, c'est pourquoi Dieu a déterminé un nouveau jour où les fidèles entreraient dans le repos lié à la royauté de David, qui n'est en fait qu'un type du règne de Jésus, le fils de David. Et le dernier point qu'on peut retenir dans ce chapitre, du moins dans ces versets, il reste donc un repos pour le peuple de Dieu, repos du septième jour, ou du vrai sabbat, le millénium, comme on peut le dire, où Dieu se reposa dans son amour et s'égayera. Et ça, on le voit aussi chez Sophonie, au chapitre 3, verset 17, si je ne me trompe pas. Je vous laisserai vérifier. Eh bien, frères et sœurs, pour les chrétiens, c'est un repos céleste que la foi espère. Nous allons y entrer pour nous reposer de toutes nos luttes, si nous faisons partie de ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Eh bien, frères et sœurs, en ce jour, je vous invite à vous reposer entièrement dans les mains de Dieu. Laissez vos tracas de côté. Laissez vos soucis. Laissez peut-être les papiers administratifs à régler aujourd'hui. Ah bah alors, si c'est à régler aujourd'hui, je vous invite à le régler aujourd'hui. Hein. Ne soyez pas en retard. N'allez pas dire que Jean-Christophe a dit que dans le temps de prière, on laisse tout tomber. Non, je n'ai pas dit ça. Laissez. Prenez le temps de vous reposer dans les mains de Dieu. Prenez le temps de venir le contempler. Prenez le temps de venir l'adorer dans ce saint sacrement. Prenez le temps et laissez tout. Reposez-vous entièrement dans les mains de Dieu. Amen. Avant de terminer notre temps de prière avec ce psaume, je vous invite à prier pour toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui manquent de repos, toutes les personnes qui ont des douleurs en ce jour, les personnes qui ont peut-être subi, réalisé une opération. Je vous invite à étendre vos mains vers ces personnes. Que les seigneurs viennent en ce jour les guérir. Que le Seigneur vienne leur permettre de se reposer, de souffler. J'invite vraiment aujourd'hui l'Esprit Saint à descendre, à venir guérir, à venir visiter chacune de ces personnes. Ô Seigneur, envoie ton souffle de guérison en ce jour. Ô Seigneur, envoie et permets à ces personnes de se reposer dans tes mains. Seigneur, tu les as créés, ce sont tes œuvres. Et comme tu l'as dit, le septième jour, tu t'es reposé, car ta création était belle. Seigneur, viens visiter nos malades. Viens visiter toutes les personnes qui ont besoin de toi. Pleinement. Amen. C'est les merveilles qu'il a fait. N'oubliez pas les exploits
les exploits de notre Seigneur. N'oubliez pas les exploits de notre Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse, leurs descendants à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observe ses commandements. N'oubliez pas les exploits de notre Seigneur. N'oubliez pas les exploits de notre Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération des cœurs inconstants et d'esprit infidèle à Dieu. N'oubliez pas les exploits de notre Seigneur. 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 Ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oubliez pas les exploits de notre Seigneur. N'oubliez pas les exploits de notre Seigneur. N'oubliez pas les exploits. Les exploits de notre Seigneur, n'oubliez pas les exploits de notre Seigneur. Ainsi s'achève notre temps de prière. Je voulais remercier tout spécialement Eleanor d'avoir participé à notre temps de prière aussi, comme elle aime si bien participer. Je vous souhaite à tous une très belle et sainte journée. À bientôt.
nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.